Ah là là. Oh non! Utilisez le micro et les boutons! Vous savez que j'ai un problème avec le micro, c'est que ça marche une fois sur deux. Bon, eh ben si vous m'entendez pas, c'est normal, c'est que je suis en train de crier ou de souffler dans le micro. Comme un désespéré, c'est parti. Et voilà. Alors par contre le bouton au milieu, je sais même pas à quoi il sert. Aucune idée. Ah bah pour ouvrir la porte, je suis bête. Eh ben j'ai enfin réussi. Oh là 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 là, après plusieurs défaites, j'ai fini par y arriver, c'est génial. Bon bah c'est super les amis, on va pouvoir finalement continuer. Je vous avoue que j'ai eu peur, mais je suis allé dans les paramètres de... Bah de l'émulateur en fait, pour changer. Et maintenant au lieu de crier, de souffler dans le micro ou autre, eh bien il faut juste que j'appuie sur une touche. Et voilà, c'est bon, ça compte. Donc je suis assez content. Comme ça dans les prochains mini-jeux, j'aurai juste à appuyer sur une touche et voilà, c'est super, c'est super. Il y a l'arbre. Anecdote. Donc les Jeux Olympiques d'été et d'hiver la même année. Jusqu'en 1992, les Jeux Olympiques d'été et d'hiver se tenaient la même année. Depuis 1994, les Jeux Olympiques d'été et ceux d'hiver ont été décalés de 2 ans. Il existe toujours la période de 4 ans entre deux Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été. Ah, donc c'est assez récent au final, ça a quand même 20 ans finalement ce genre de procédé. Je ne savais pas, je pensais que ça a toujours été comme ça moi. D'accord. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Je pensais pas. Je pensais que le système de 2 ans, ben ça a toujours été comme ça. Mais bon, ok. Alors, bon bah les amis, nous allons faire notre petit curling. Notre curling que j'aime pas trop, mais bon bah il faut bien. Allez, c'est parti. On a besoin de puissance. Ok, c'est parti les amis, sur le coup, il faut qu'on le bousille. Alors, il faut que je vire un truc. Bon, bah j'ai juste à faire ça, et ça va le faire, je pense. Et voilà. C'était un mini-jeu. Bah voilà, la mission était assez simple. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode bonus, c'est sûr que c'est la première fois que vous voyez le mini-jeu. Voilà, ça va vous faire un peu bizarre de voir ce mini-jeu. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'on va refaire du curling dans pas longtemps de toute façon. Là en ce moment c'est les boss, hein, on dirait que c'est les boss qui sont assez. Qui reviennent assez souvent.
Alors par contre, il me reste pas de mission ici, je crois. Hein. Alors on va demander à un chat où ce qu'il faut faire, où il faut aller. Alors mais où dois-je aller? Donnez-moi des conseils, laissez tomber. Non, bah... Je dois aller où? Attends, quoi? Mais on... Bah oui, mais justement, c'est ce que j'ai fait et on est venu jusqu'ici. Attends, mec. Quoi? Attends, y a un problème. Je sais pas de quoi il me parle. Je sais pas. Ça, c'est ce qu'on avait fait, en fait, dans l'épisode numéro 9. Voilà, c'était notre petit boss final, on va dire. Propulsez-vous avec le canon au pied des marches de Mega Big Ball. Mais c'est... Ce canon-là, il nous a permis de venir ici, en fait, je comprends pas. Alors, bon, les amis, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de suivre ce qu'il nous dit. Ouais, d'accord. J'ai pris le chemin plus long. On va essayer de prendre le canon. On va voir ce que ça va donner. Je vous avoue que là, je sais pas trop où il veut en venir. Je sais pas. Ok, donc là, c'est là où on a commencé. Bah, il parle de quoi? Je comprends pas. C'est ici qu'on l'a battu, le Mega Bill. Bah, je suis pas fou. Le canon dont il parle... Bah, il a bugué. Il a complètement bugué, en fait. Bon, vous savez quoi, les amis? On va peut-être... Bah, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop quoi faire. Si les Chao ne peuvent pas nous aider, on est un peu mal. En fait, il me faut une mission. Il me faut une dernière mission. On va essayer d'aller dans une autre map. Je sais pas où j'ai lâché... J'ai lâché mes missions. Ok, elle a trouvé des nouveaux trucs. Ok, donc là, la torche, ok. Un truc à anneau. Une gourde. Non, je suis désolé, ça me fait penser plus à une gourde qu'une médaille. Ouais. Bon, on a 7 pierres apparemment. Bon, je passe un peu les dialogues, hein, c'est toujours les mêmes, hein, c'est juste les chiffres qui changent. On va regarder vite fait donc les souvenirs olympiques qu'elle a trouvés. Mince. Alors, qu'est-ce qui est nouveau là-dessus? La torche. Ça on l'a vu. Ça on l'avait pas vu. C'est la fameuse gourde. Ouais, c'est vrai que de près ça ressemble pas du tout à une gourde. Mince, pardon. Donc faites pause maintenant et hop là, c'est bon. Vous avez tout. 418, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les mascottes. Ok. Bon, moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. La seule chose... elle est déjà de retour, elle. Eh ben ouais, elle a trouvé des nouveaux trucs. Donc, une torche encore, un point rouge, et un symbole orange et un sabre. C'est super. À Cubirinthe. D'accord, bon bah on la retrouvera peut-être là-bas, si ça se trouve. Parce que nous on va devoir donc chercher une mission. Alors, on y retourne. On va y arriver. Elle rattrape son retard, je pense, parce qu'on a pris quand même pas mal de... Ah bah oui, c'est vrai que c'est plein. Ça, c'est nouveau.
je vous laisse lire, il n'y a pas de souci. Hein, c'est des... Donc ça, c'est des vrais, c'est vrai, hein, c'est dans la vraie vie, hein, c'est des vraies anecdotes. Donc je pense quand même que ça reste assez intéressant de les lire. Là, c'est mort, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le point rouge, donc je vous laisse regarder finalement ça. Donc ça, c'était le poster, et voici l'histoire. Donc je vous laisse l'histoire, bien évidemment, de base. Il symbolise un flocon des neiges. Ça, c'est un flocon? Ah. Ah. On n'a pas la même vision du flocon. Hein. Pour moi, un flocon, c'est plutôt ça. Hein. Voilà. Bah, pour vous, c'est ça. Bon, bah, très bien. Très bien. La torche, je vous laisse lire, il n'y a pas de souci. Ok, je pense que je n'ai rien oublié, les amis. On va pouvoir continuer et chercher une mission. Il nous reste une seule mission à faire. C'est quand même un petit peu rageant. On va pas se mentir sur ce concept. Ciao, dis-nous où il faut aller, s'il te plaît. Aide-nous. Ton pote, il a complètement bugué. Propulsez-vous avec le canon au pied des marches que Megabill Ball bloquait. Ils sont buggés ! Mais ils sont complètement buggés! Bon, ok, d'accord. D'accord. Je vous admets que là, sur le coup, je suis un petit peu... en PLS, parce que personne ne m'aide, au final. Là. En gros, ils me disent d'aller à Pic à Glace. Donc, je pense qu'en fait, le jeu... Il a encore un petit peu en bug, là. Bon, on va essayer de trouver une mission dans cette map-là. Mais je crois que j'ai déjà tout fait. Ça m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Je suis toujours coincé. Attendez, il n'y avait pas une mission par là? Ah non, c'était des caisses. Ah là 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 là. Bah, je sais pas trop où aller, là. Je suis un peu bloqué parce qu'on a fait cette mission avec le curling. Ça, c'est bon. Mais après, il faut faire quoi? Les amis! Oh! Aidez-moi! C'est quoi ce bordel? Là, c'était Donkey Kong, je m'en rappelle. Là, il y avait ça. Là, il y avait Donkey Kong. Là, c'est... Ouais, c'était ça. Mais bah, merde. Non, bah, je sais pas trop, les amis. Moi, je pense qu'ils ont bugué, hein, les Chao. Donc, je vais pas retourner à Cubirin pour rien. Ça, c'est un problème, par contre. Ici, ça mène où, déjà? À Colquigel. Ok, à Colquigel. Vous savez quoi, les amis? On va aller à Colquigel pour voir s'il n'y a pas une mission qui nous manque. J'espère que oui, parce que on est un peu mal, je vais pas vous mentir. Je me rappelle même plus de la map. Ça ressemble à quoi? Ok, donc ça, on l'a fait avec la perfection, apparemment. C'est pas ici. C'est pas ici, quoi. Oh non, c'est pas ici qu'il faut aller. Oh non. Mais comment je fais, moi? Attends, y a pas un... le masquage, c'est là-bas. Comment je fais? Ah, par là peut-être. Ah oui, ça doit être ça, c'est par là. Ouais, je m'en rappelle plus de cette map là. Ce qui complique un petit peu la chose. Non, c'est pas ici. Ah, ça doit être là. Voilà. Ok, c'est super. Donc on va pouvoir peut-être y aller quand même. Bon, ok. Donc là, la mission elle a été faite. Ok. Il nous faut une mission. Une. Et j'espère qu'elle marchera parce que sinon je suis mal. Hein. Salut le pingouin. Ok. Ouais, on l'avait pas faite. Est-ce que ça, on l'avait... Ok, on l'a déjà ramassé, c'est super. Bonjour. Fais au moins... Alors,
super mise en échec. Fais au moins une mise en échec. Je sais même plus ce que c'est. Vous savez quoi, on va prendre des personnages qui n'ont pas beaucoup de missions. Toi, tu en as combien? T'en as 3. Vous savez quoi? Petite équipe de femmes pour ce coup-là. Chacun son tour. Alors, fais au moins une mise en échec. En défense, visse le stylet vers le bas. Je sais même plus. Attendez, je sais pas. Fais au moins une mise en échec. En défense, glisse le stylet rapidement. D'accord. Donc, il faut que ça soit eux qui ont le truc. Non, ne le prends pas, Mais tu te fous ta gueule. Non, mais... C'est le personnage, il va tout seul. Je vous jure que le personnage, il va tout seul. C'est quand même excellent. Non, mais... C'est un combat d'autiste. Mais non. Mais arrête de le ramasser. Mais Peach, tu me fais chier, je te jure. Mais arrêtez. Mais c'est quoi ce truc de fa... Mais non, mais... Les amis, j'en peux plus. Non, mais regardez. Non, mais je clique. Voilà. Mais casse pas les couilles. Peach, n'y va pas. Mais c'est un truc de taré. Mais pourquoi ils y vont? Non, mais ça, c'est nul. Pourquoi ils ont fait ce truc automatique où le personnage il y va tout seul? C'est complètement débile. Voilà, là j'ai réussi. Non? J'ai pas réussi? Mais Peach, n'y va pas! Tu pues la merde! T'as pas compris ça? Non mais... C'est trop casse-couille! Mais c'est trop casse-couille! Mais c'est... Alors par contre, il y a un truc, la mission, on l'a réussi. Pourquoi on me fait chier? Bon, bah bien joué les filles. Pas mal. Ça valait le coup de cahier. Ah, ça nous a pas donné de cristaux les amis, j'ai un petit peu les boules. Bon les amis, on va essayer de faire ce que... Bah vous savez quoi, on se retrouve tout simplement à Cubirinthe. Hein, à tout de suite. A few moments later. Ok les amis, je crois que sur le coup, il y a un point d'interrogation ici. Donc ce qui veut dire qu'il y a un truc. Je me souvenais pas. Ah ouais, il nous faut Waluigi. Il nous faut Waluigi. Alors il y a un rouge qui est au milieu de la map. Alors on va aller la voir. Bon, je pense que les Chao ils sont complètement buggés là. Largement. Il m'indique rien du tout. Oh non, c'est pas par ici qu'il faut aller. Mais c'est pas vrai quoi. Ah bah c'est peut-être là. Attends. Hop là. C'est super, j'ai trouvé. Bonjour rouge. Ah! Ok, donc un autre petit flocon rouge. Une baguette. Un bonhomme de neige. Et une autre baguette. J'espère que je m'en souviendrai. Attends, ouais, je t'ai payé en avance hein, quand même. 24! Il te reste 24 objets à chercher. Eh, c'est bon! Me saoule pas, s'il te plaît, hein. Ah non, 24 trouvés déjà, donc il t'en reste 9 à chercher. Ah, oh! Ne te fous pas de moi, hein! Bon, on reste quand même bloqué sur ce problème de... On est bloqué, on va pas se mentir. Ah, mais attendez! Comment on faisait pour passer là? Oh, mais c'est vraiment un vrai... Mais c'est un vrai labyrinthe, en vrai. C'est chiant. Vector, il est pas avec nous encore? Évidemment. Évidemment, ça m'amène ici. C'est pas l'endroit... Mais c'est pas du tout l'endroit que je voulais aller. Ça va me saouler parce que je sais pas du tout où il faut aller. Ah là 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 là! One eternity later.
Thank you.